Thank you.
C'est une application ou s'il faut la Shadow Ghost pour que ça marche. Ok, donc on a une conférence de presse dans moins de 5 minutes et personne ne sait exactement ce que c'est Shadow et pourquoi c'est trop cool. Des suggestions? Tu penses à ce que je pense? Je crois que oui. Une comédie musicale. Alors c'est très très bien, mais on a déjà fait ça l'année dernière. Ah, et flûte. Sinon on peut faire une vidéo aussi ludique qu'éducative. Non, c'est pas une bonne idée. Non, je sais. On a qu'à faire une vidéo aussi éducative que ludique. Mais c'est ce que je viens... C'est une idée de génie, Victor. Découvrez Shadow. Une toute nouvelle façon de jouer au dernier jeu sans jamais changer votre PC. Avec une simple connexion Internet, vous pouvez transformer n'importe quel appareil en PC gamer surpuissant. Comment ça marche? C'est simple. Votre Shadow est juste là. Une machine Windows 10 complète avec des composants haut de gamme, stockés en toute sécurité dans nos data centers. Pour accéder à votre machine, connectez-vous simplement à votre compte Shadow et vous streamez l'image et le son directement sur tous vos écrans. Que ce soit sur un vieux PC, une tablette, un smartphone ou même sur Mac, profitez de vos jeux sur tous vos appareils. Votre Shadow fonctionne comme un PC Windows 10 classique. Vous pouvez installer et lancer n'importe quelle application. Les jeux qui vous appartiennent déjà, les derniers titres du moment, et tous les logiciels de votre choix. Et le mieux dans tout ça, c'est que nous prenons en charge tout le matériel. Votre Shadow est régulièrement mis à jour et ne devient jamais obsolète. Vous pouvez donc profiter de performances haut de gamme, sans limite et sans aucune contrainte matérielle. Shadow, le meilleur moyen de transformer tous vos appareils en un PC gamer surpuissant. Maintenant, nous vous laissons avec Jean Marnaud, CEO de Shadow. Bonne conférence à tous. Coucou les journalistes. Donc il fallait forcément que la vidéo d'intro se termine par « Coucou les journalistes ». Alors excusez-moi chef, mais tu vas rire, j'ai un peu paniqué. C'est pas grave, lance la musique. Bonjour à tous, et effectivement je suis Jérôme Marnaud, le nouveau CEO pour Shadow. Et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence de presse, que vous soyez ici physiquement avec nous ou en train de regarder notre chaîne Twitch qui est diffusée en français et en anglais. Vous allez découvrir aujourd'hui toutes les nouveautés de nos offres Shadow. C'est le travail intense de nos équipes depuis quelques mois et je voulais les en remercier aujourd'hui. Alors, j'ai rejoint cette entreprise très récemment. Et j'en suis ravi. C'est une entreprise qui, dans sa continuité stratégique, a pour mission, et normalement des slides devraient défiler. Merci de remplacer tous les ordinateurs du monde, notamment en délocalisant la puissance de calcul dans le cloud et en la mutualisant afin de rendre ce service accessible au plus grand nombre. Afin de commencer par le marché le plus exigeant, nous avons décidé de commencer par le marché des gamers. Nous allons donc... Donc je suis très très fier et très heureux d'avoir rejoint cette entreprise. C'est une entreprise qui compte pas moins de 70 000 abonnés, 200 collaborateurs, qui offre son service dans 8 pays, dont les États-Unis, à partir de 7 data centers. C'est une entreprise qui lève 30 millions d'euros pour accompagner ce lancement et qui, si je cumule avec notamment les entrées au capital de Western Digital et Charter Communication au début de l'année, représente au total 100 millions d'euros levés depuis la création de l'entreprise. C'est enfin une société
qui appartient au Next 40. Et soyez assurés, monsieur le ministre, que nous sommes très honorés de cette distinction et que nous ferons tout notre possible pour l'honorer en retour. Nous n'en serions pas là aujourd'hui sans un écosystème de partenaires qui nous ont soutenus depuis le premier jour et nous y sommes très attachés. Je voudrais saluer la présence ici d'Alain Villemoute, président de CRSI, qui d'ailleurs participe à notre levée de fonds et je le remercie publiquement. Nous avons également Microsoft qui nous aide dans nos partenariats, notamment d'achat de licences, mais également d'autres partenariats à venir. Et je voudrais également profiter de la présence d'autres membres de notre écosystème pour leur poser quelques questions. Alors si on peut apporter un micro à chacun. Donc tout d'abord Serge Palaric, vous êtes vice-président des alliances pour EMIH et NVIDIA. Et en fait, vous disposez de la meilleure technologie des cartes graphiques, mais forcément, elle est un petit peu chère pour l'ensemble des consommateurs. Pensez-vous que... C'est la valeur, c'est de la valeur. Pensez-vous que ceci, que le cloud gaming et Shadow vont vous aider à démocratiser cette technologie ? L'aventure Shadows, on est depuis le départ présent. Je me rappelle du premier meeting, on en discutait tout à l'heure avec Emmanuel. On s'est rencontrés dans un café dans Paris pour discuter du projet, tu te rappelles. Et on a accompagné Shadow dans les développements en fournissant toujours les meilleures technologies. Le cloud gaming, c'est un marché en pleine expansion. C'est un marché qui existe depuis quelques années, mais il est en pleine expansion sous différentes formes. Et NVIDIA est très très présent sur ce marché avec des nouvelles technologies de GPU. Puisque l'objectif réellement, et là on a parlé du gaming, mais on peut parler d'autre chose, mais sur le gaming, c'est de ne pas décevoir les gamers. Les gamers, ce qu'ils recherchent, c'est la meilleure expérience. Okay ? Un gamer qui va être déçu ne reviendra pas utiliser le service. C'est pour ça qu'on investit massivement dans les architectures de GPU afin de donner, en fait, je dirais, cette meilleure expérience. Ça peut être des performances, ça peut être des technologies comme le rendering, je pense que vous allez en parler plus tard. Mais voilà un petit peu où on se positionne. Et effectivement, juste pour vous donner une idée, pour développer une nouvelle architecture de GPU, c'est 1 milliard d'investissements. 1 milliard d'investissements, il faut qu'on la développe 5 ans à l'avance. Donc, notre objectif, c'est d'accompagner Shadow avec toujours les meilleures technologies qu'on vient de sortir pour que les gamers soient contents du service. Merci beaucoup, Serge. Et je vais donc passer la parole maintenant à Victor Arvidsson. Victor, vous êtes directeur des relations gouvernementales, de l'innovation et de la stratégie chez Ericsson France. Nous avons un accord de partenariat pour les démonstrations de gaming en 5G. Que pensez-vous que la 5G puisse apporter au cloud gaming et à Shadow ? Bonjour, merci beaucoup de nous avoir invités. Effectivement, on a un partenariat de partenariat et enfin d'expérimentation et on en a fait beaucoup ensemble cette année. Je ne vais pas tous les citer, mais effectivement, c'était très riche et très réussi. Je pense que la 5G peut beaucoup apporter et le gaming peut aussi beaucoup apporter à la 5G. Je pense que les attributs principaux de la 5G auxquels on pense, c'est évidemment le temps de latence très faible. On est de l'ordre de la milliseconde, alors qu'en 4G, on est plutôt de l'ordre de quelques dizaines de millisecondes, peut-être 40 millisecondes aujourd'hui sur les réseaux. Donc ça, c'est un différentiel énorme. L'autre élément, c'est évidemment le débit qui est beaucoup plus élevé. Et puis après, effectivement, la 5G s'inscrit complètement dans une logique de cloud, de edge cloud. Donc on est... c'est un peu perturbant l'écho derrière, mais je vais essayer de rester concentré. Voilà. Et je trouve que ce qui est hyper intéressant aussi, c'est qu'effectivement, avec la 5G, on gagne aussi la mobilité. Et donc, avec ces applications de cloud gaming, on est naturellement et nativement aussi sur des devices sur lesquels on n'a pas dans le device tout le logiciel. Donc, je pense que l'histoire peut être très, très vertueuse, très constructive. Et juste pour finir très rapidement, je pense que quand on parle 5G, on parle aussi beaucoup d'usage industriel. Et ce qu'on voit quand même en Corée, dans un pays qui est un des premiers à déployer très largement avec des millions d'utilisateurs 5G, c'est qu'au début, on est aussi beaucoup très fortement sur des usages grand public, sur des usages grand public vidéo, sur des réalités augmentées. Et je pense que le cloud gaming a vraiment un vrai coup à jouer pour les premiers pas de la 5G. Donc, très heureux d'être là. Merci beaucoup, Victor.
Stéphane Nègre, vous êtes président d'Intel France. Nous intégrons le meilleur de vos technologies déjà dans nos serveurs. Comment comptez-vous continuer à améliorer la performance du cloud gaming et de Shadow dans le futur ? En fournissant toujours plus de technologies innovantes, mais aussi en permettant à des filières de se développer. L'exemple que nous avons sous les yeux aujourd'hui, c'est le développement d'une filière du cloud gaming en France avec des pépites françaises. Il y en a un certain nombre qui sont là tout autour, Octave, Alain, j'ai vu Laurent derrière, et bien sûr Emmanuel, toi Jérôme. Ce sont, monsieur le ministre, des filières très innovantes internationalement. Il ne faut pas les voir uniquement que franco-françaises. Elles sont très, très internationales. Donc nous essayons de vous accompagner à travers des technologies, en fournissant le meilleur de ce qui est disponible aujourd'hui. Pour faire du gaming, il vaut mieux avoir des CPU qui fonctionnent relativement vite. Le jeu vidéo est très sensible à la performance cœur. Donc plus il y a de performance, plus on a de frames par seconde, etc. Donc c'est toujours bien. Et aussi les futures innovations. Alors futures innovations, on parle, je donnerai juste un exemple. Aujourd'hui, on travaille avec vos équipes pour essayer de favoriser le développement de Wi-Fi 6. Wi-Fi 6, c'est la dernière génération de Wi-Fi. Ça permet 75% de gains en latence vu du poste client. Donc c'est certainement des possibilités d'amélioration de l'expérience utilisateur et donc de services que vous allez fournir aux consommateurs. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai que ce dernier lien est toujours important pour nous, que la qualité du Wi-Fi soit au rendez-vous. Merci à tous. Je vais donc passer maintenant la parole à Emmanuel Freund, qui est cofondateur, comme vous le savez, de l'entreprise, qui est maintenant responsable de la stratégie et qui va dérouler la suite de cette conférence. Merci à tous. Humaine aussi, c'est construire une entreprise ensemble. Et c'est assez marrant parce que lors de la construction d'une entreprise, c'est une aventure palpitante, je vous raconterai ça une autre fois parce que ça prendra 2 heures, mais on rencontre parfois des gens étonnants. Donc au départ, j'avais rencontré Alain justement qui nous a énormément aidés au tout début et qui continue à nous aider aujourd'hui. Et puis ensuite, parfois on rencontre des gens vraiment formidables qui nous étonnent et Octave m'a rencontré. Et effectivement, quand on s'est parlé... On s'est rencontrés début juillet. Quand on s'est parlé, on a tout de suite vu qu'on avait beaucoup de choses en commun. D'abord, on avait le même amour des trucs brillants avec des fils et qui ont plein de lumière et qui servent à des choses dont on ne sait pas trop quoi. On a aussi les mêmes valeurs, des valeurs européennes, des valeurs un peu différentes de ce qu'on voit potentiellement actuellement dans le marché. Et on a aussi la même conscience qu'on est capable de construire quelque chose, qu'avec notre technologie, on est capable de changer les choses, de faire un futur un peu différent, de construire le futur qu'on décide. Et ça, c'est incroyable. Donc, j'ai rencontré Octave début juillet. Ça, c'était la seule erreur. Ça nous a pourri toutes nos vacances. Octave, je suis vraiment, vraiment heureux de te voir ici. Je suis vraiment heureux que tu aies accepté de venir parler. S'il te plaît, je te laisse nous raconter notre rencontre. Bonjour. Je suis très, très heureux d'être ici parce que c'est quelque part, après ces fameuses vacances, en fait... ce week-end, j'ai pris juste 2-3 jours et comme d'habitude, Emmanuel, juste avant, me dit « Tiens, j'ai une conférence de presse juste au moment où tu as les vacances. » Donc à nouveau, ici, je me retrouve avec beaucoup de plaisir. Donc on s'est rencontrés, comme tu disais, en juillet. Immédiatement, j'ai vu l'entrepreneur, la passion de l'entrepreneuriat, les prises des risques, l'innovation... Les trucs qui brillent, effectivement. On a des actionnaires, donc la prise de risque diminue un petit peu. Et assez rapidement, on s'est dit, tiens, et si on faisait un truc ensemble ? Et donc, c'était pas, tiens, dans 2 semaines ou dans 1 mois, ou dans... non, c'est le lendemain, on a commencé à bosser autour
des différentes solutions qu'on en a parlé autour des GPU, autour des CPU. Nous, c'était sur nos roadmaps, donc on a commencé à accélérer un petit peu. Je chamboulais un tout petit peu les roadmaps en interne pour pouvoir sortir pas mal d'innovations. Et donc, quelque part, nos valeurs autour de l'Europe, et c'est ça en fait qui moi me passionne beaucoup, c'est qu'en Europe, il y a plein de petites. Il y a ta boîte, il y a d'autres entreprises qui aujourd'hui ne travaillent pas vraiment suffisamment ensemble. Il y a l'initiative de Next40 qui permet de mettre en lumière qu'il y en a 40 de potentiels en France, rien qu'en France, et une certaine invitation à travailler ensemble, une invitation à créer des choses ensemble. Parce que c'est uniquement quand on va commencer à vraiment travailler ensemble qu'on va créer un écosystème, un marché, des clients, et on va commencer d'avoir de l'espoir qu'il y a une alternative face à des Européens et les Chinois. Et quelque part, moi, je suis là-dessus depuis quelques mois. Enfin, ça fait 20 ans que je fais OVH, mais quelques mois, en fait, vraiment, je me suis focusé sur cette animation, quelque part, de donner de l'espoir, de donner de l'impulsion. Parce que ça fait 20 d'années qu'on fait OVH et ça a certains succès autour du cloud. Et quand on regarde ce nouveau monde qu'on est en train de bâtir, qui est beaucoup posé sur les data, qui est posé sur l'innovation, sur la disruption, on voit aussi que l'ancien monde est en train de collapser, qu'il va disparaître progressivement sur les prochaines années, et il faut le renouveau justement dans ce nouveau monde-là. Et ce nouveau monde-là, en fait, aujourd'hui, bah, il y a l'alternative américaine, il y a chinoise, il n'y en a pas vraiment européenne. Et donc, en construisant, enfin, quelque part, moi, je suis là en tant que, quelque part, l'ambassadeur de ce nouveau écosystème, en fait, qu'on essaie de créer en termes de l'Europe, pour donner cette impulsion et créer une alternative pour que l'Europe ait des bases solides dans ce nouveau monde et qu'il ne puisse pas poser ses data dans le cloud américain, dans le cloud chinois, mais qu'il y ait vraiment le cloud qui respecte nos valeurs. Et toi, tu es l'exemple sur les VDI. Moi, je fais du cloud. Il y a d'autres entreprises qui commencent à nous rejoindre. Il y a Mantou qu'on a annoncé, c'est une boîte de conseil. 6500 personnes, pareil, une boîte européenne, plusieurs centaines de millions. Et quelque part, on voit qu'il y a plein de choses à faire encore, mais ça part vraiment de l'initiative des entrepreneurs. Et quelque part, à travers notre échange, moi, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de possible de créer quelque chose en respectant, on sait que nous, on croit, dans nos valeurs, en confiance, passion, la disruption, prendre la responsabilité aussi de ce qu'on est en train de construire, parce que le cloud, c'est un peu comme l'atome il y a une centaine d'années. On peut l'utiliser dans les centrales nucléaires, comme on peut faire une bombe atomique. Et donc, quelque part, prendre aussi la conscience en fait, de ce qu'on est en train de réaliser et prendre conscience de, ben, en fait, c'est possible. C'est vraiment possible. Et moi, je suis très heureux en fait, de témoigner aujourd'hui en disant, voilà, on va commencer à collaborer ensemble et on va voir où est-ce que ça nous a emmené. Et moi, je suis hyper excité par ce qu'on va faire ensemble. Voilà. Génial, merci beaucoup, Octave. Et merci. Et d'ailleurs, on a un agenda un peu serré aujourd'hui, donc je vais tout de suite passer à l'invité suivant, qui est un agenda de ministre. Et je suis très très heureux de recevoir ici quelqu'un qui nous a soutenus, Octave et moi, depuis le début en fait, et qui a suivi, qui croit à la possibilité d'avoir une technologie française, une technologie européenne avec des valeurs différentes. Cédric O, ministre du numérique. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour, surtout bonjour à tous ce matin, j'ai l'impression. Merci Emmanuel, merci Octave. Alors c'est marrant parce que moi je connaissais Emmanuel et Octave avant qu'Emmanuel ne connaisse Octave et avant qu'Octave ne connaisse Emmanuel. Et c'est pas très étonnant qu'ils s'entendent bien parce qu'ils avaient un point commun. Le point commun, c'est que, et d'ailleurs, c'est Emmanuel, on a fait une petite blague dessus, c'est que moi, il se trouve qu'avant, j'étais conseiller à l'Elysée, et quand vous recevez les gens conseillers à l'Elysée, en général, même quand ils sont des start-upers, ils font un peu attention à la manière dont ils s'habillent. Donc ils viennent, ils mettent une chemise, ils mettent des chaussures, etc. Il y en a deux qui venaient en hoodie, enfin en sweat capuche, quoi. Il y avait Emmanuel et Octave. Et donc, c'est pas très étonnant que les deux qui viennent en sweat capuche se soient finalement beaucoup plus. Voilà. Du coup, maintenant, Emmanuel envoie Jérôme et Octave envoient Michel qui viennent en costume et en cravate, mais je trouve que c'est très bien que vous soyez venus comme vous êtes. Non, évidemment, il n'y a pas que ça. Je ne vais vraiment pas être très long. Je suis venu ce matin à la fois par amitié
pour Emmanuel, par amitié pour ce qu'il fait, et puis pour dire que, à la fois, vous évoquez le Next 40, mais si vous êtes dans le Next 40, c'est pas grâce à nous. Nous, on a juste mis un certain nombre de critères, et si vous êtes dans le Next 40, c'est que vous avez déjà fait quelque chose, parce qu'on n'a pas choisi les boîtes qui sont dans le Next 40. Si vous êtes dans le Next 40, c'est que vous avez levé de l'argent, c'est que vous avez créé des emplois, c'est que vous avez créé quelque chose qui représente déjà quelque chose. Et donc, moi, c'est important pour moi de le mettre en valeur, c'est qu'on a des boîtes comme OVH, comme Shadow, enfin comme Blade, qui aujourd'hui représentent quelque chose technologiquement au niveau international et commencent à tracer, mais vous l'avez dit tous les deux, la voie d'une voie européenne et d'une voie française, en tout cas de faire exister cette technologie européenne et cette technologie française. Alors dans un écosystème avec des partenaires internationaux, on l'a vu, qui viennent apporter leur savoir, mais qui montrent qu'on a un rôle à jouer, et puis quelque part, on n'a pas peur de se mesurer aux Américains et aux Chinois. Dieu sait si ceux qui sont chez Blade le savent, il y a l'entrée de nouveaux acteurs très puissants, qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, qui viennent sur votre terrain, mais voilà, on tient crânement notre chance avec un peu de panache, et puis on se dit qu'on n'a pas, on n'a pas à rougir ni à avoir honte de ce qu'on fait, ni qu'on va être meilleur qu'eux, et on va être meilleur qu'eux même s'ils ont beaucoup de milliards. Et ça, je trouve que c'est une attitude qui est à la fois celle d'Emmanuel, puisqu'il se confronte à Google, à tous ces grands acteurs, qui est à la fois celle d'Octave, qui est d'oser aller chercher les Américains sur un secteur où ils sont, ou les Chinois sur un secteur où ils sont ultra dominants, en disant mais je ne vois pas pourquoi, moi, je n'irai pas les chercher. Et donc, dans ce panache, je trouve qu'il y a quelque chose à la fois de très français. Et puis, pour nous, c'est beaucoup d'histoire. Et puis, l'autre élément qui était important pour moi ce matin, c'est qu'effectivement, mais vous l'avez tous les deux souligné, il faut s'aider, il faut coopérer si on est, quand on est français. Parce que l'histoire de la Silicon Valley, l'histoire des écosystèmes qui réussissent, c'est bien sûr des entrepreneurs qui font des choses extraordinaires, mais c'est aussi des alliances et des coopérations qui se créent dans des écosystèmes. Alors vous le faites chacun de votre côté, entre ce que les coopérations, on voit ce que tu expliquais Emmanuel, avec les différents partenaires qui soient étrangers ou français, C3SI, Nvidia, Intel, etc. Octave le fait lui de son côté avec OVH en essayant de rassembler des gens autour de lui, un écosystème, parce qu'en fait pour être fort, il faut être en écosystème. Mais vous le faites également tous les deux, en créant une alliance, et quand il y a deux boîtes du Next 40 qui se disent « Ok, on va être plus fort ensemble », si on traçait notre sillon chacun de notre côté, ben, je trouve que c'est un super message. Je pense qu'il faut que ça se développe et puis qu'on aille encore plus loin. Je ne vais pas être beaucoup plus long. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci Il ne faut surtout Cédric. Pas que la présence du ministre, les félicitations, la présence au Next 40 vous donne l'impression, mais ça je vous fais confiance, d'être arrivé. Il faut juste que ce soit le début. Parce en fait, l'annonce qu'on va faire, qu'on arrête là. Voilà, exactement. C'est pour ça, c'est pour ça que c'est important. Mais je l'ai dit, je vous l'ai dit quand on s'est vu le Next 40, il ne faut pas se fixer de limites. Moi, je trouve que je les ai tous rencontrés, les grands patrons américains, et vraiment, ce qui m'a marqué, c'est qu'ils ne sont pas là pour rigoler, quoi. Et ils veulent systématiquement être les meilleurs du monde, et je pense que nous, il faut qu'on veuille être les meilleurs du monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cédric. Alors, j'aimerais rappeler à toute l'assistance quand même que c'est notre conférence de presse. On a eu beaucoup d'invités jusqu'à maintenant, mais c'est la conférence de presse de Shadow. Voilà. Alors Shadow, qu'est-ce qu'on fait ? Vous le savez à peu près tous, s'il y en a qui ne le savent pas, vous pouvez sortir maintenant. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait du jeu vidéo principalement. On fait du jeu vidéo, on va un peu parler de jeu vidéo. Je vois ici d'ailleurs dans l'assistance des dignes représentants de ce marché-là. Donc Vitality ou Bibi, si vous voulez leur parler à la fin d'ailleurs. On fait du jeu vidéo. Et effectivement, on va laisser Cédric partir discrètement. Voilà, petit moment de silence gênant. Et le jeu vidéo, c'est une industrie qui est en pleine expansion, vous le savez, et c'est normal. On est dans un monde complètement numérique, donc le loisir devient évidemment le plus simple, le loisir numérique. Et c'est aussi le jeu, c'est aussi le loisir qui est le moins cher du monde. On peut pour 50 euros acheter un jeu qui va nous faire 50 heures, 100 heures de jeu. Donc finalement, c'est beaucoup moins cher que d'aller prendre un café dans un bar ou quelque chose comme ça. Arrêtez d'aller prendre des cafés dans des bars, ça ne sert à rien, jouez aux jeux vidéo. Le jeu vidéo, ce n'est plus l'adolescent boutonneux dans sa chambre qui est complètement asocial, qui a peur de parler avec des filles, qui a peur de sortir et qui s'enfuit dans un univers un peu onirique. Bon, ça l'était un peu pour moi, beaucoup.
mais ça l'est beaucoup moins maintenant. C'est devenu ce qu'on appelle mainstream. Tout le monde fait du jeu vidéo. Vous avez déjà vu toutes les photos qui sont partagées par les médias de centaines de millions de personnes qui sont sur Fortnite. Le dernier jeu, par exemple, le dernier free-to-play Apex Legends, 50 millions de joueurs en un mois. 50 millions, c'est énorme. Et en fait, ces chiffres-là, qui sont gigantesques, sont quand même très limités. Très limité parce que tout le jeu vidéo repose sur une industrie vieillissante, sur une industrie, sur un modèle technologique qui s'épuise. Pour jouer à Apex Legends, le dernier jeu dont j'ai cité, il faut un ordinateur qui coûte plus de 1000 euros. C'est un free-to-play. Pour y jouer, il faut un ordinateur qui coûte plus de 1000 euros. Prochaine question au bac philo, est-ce qu'on peut nommer free-to-play un jeu pour lequel il faut un ordinateur à plus de 1000 euros ? Il faut aussi, si on a les moyens de s'acheter cet ordinateur, le changer tous les 3 ou 4 ans. Si on veut juste faire du jeu un peu casu, il faut une console qui coûte au moins 400 euros. Et tout ça, c'est ce qu'on a voulu casser. Tout ça, c'est ce qu'on a voulu changer il y a 2 ans quand on a créé Shadow. On a voulu dire, on rend l'ordinateur accessible. On le rend beaucoup plus simple, on le rend pour tout le monde. On va pouvoir, il y a 2 ans, réussir, pour la première fois, à donner la même expérience qu'un ordinateur local avec un ordinateur dans le cloud. Et c'est ce qu'on a fait, on a été les premiers à le faire. Et aujourd'hui, 2 ans après, le monde a complètement changé. Aujourd'hui, tout le monde a vu que c'était hyper intéressant. Tout le monde a vu que finalement, si on retirait cette barrière à l'entrée, on pouvait multiplier le nombre de gamers par 10. On a vu aussi que l'industrie du jeu vidéo a déplacé l'audiovisuel. Donc tous les gros, comme Cédric l'a dit, tous les grands, tous les GAFA, se précipitent sur ce modèle-là. Néanmoins, encore aujourd'hui, on est les seuls. On est les seuls à proposer de jouer sur tous les jeux. On est les seuls à pouvoir jouer à tous les free-to-play et tous les autres jeux qui sont sur Windows. Si on regarde les 10 jeux les plus joués, il y en a 5 qui sont des free-to-play. Vous les avez d'ailleurs dans cette liste-là. On est les seuls à proposer ce catalogue. On est les seuls à fournir un PC complet. On ne se limite pas aux jeux vidéo. On va pouvoir streamer, on va pouvoir faire du Photoshop, on va pouvoir travailler, on va pouvoir faire du SolidWorks, on va pouvoir faire à peu près tout ce qu'on fait avec un ordinateur normal, puisque ce qu'on propose, c'est un ordinateur. C'est effectivement une expérience de jeu vidéo, mais c'est un ordinateur complet. On est les seuls à proposer ça aujourd'hui. On est les seuls à être disponible sur toutes les plateformes. Que vous ayez une télévision, un smartphone, une tablette, que vous vouliez y aller à l'hôtel, que vous vouliez aller sur votre Mac, sur votre Windows, vous avez vu la présentation au départ. On est les seuls à être disponible sur toutes ces plateformes. Aujourd'hui, on est les seuls à faire tout ça. On est les seuls à atteindre un niveau de performance qui est aujourd'hui inégalé. Un niveau de performance qui permet de dire qu'on a une qualité d'image qui est en tout point comparable avec un ordinateur local. Un niveau de performance qui fait qu'on a réussi à baisser la latence à des niveaux jamais atteints. Un niveau de performance qui fait qu'on est les seuls à faire du 244 Hz et pour proposer jusqu'à 244 images par seconde. On est les seuls à s'adapter à toutes les résolutions, à tous les écrans et à réagir exactement comme un ordinateur normal. On est les seuls à faire tout ça et ça nous permet de voir beaucoup plus loin. Et ça nous permet de revenir à l'essence de ce que c'est que Shadow. Et là, il va y avoir la première annonce, soyez attentifs. L'essence de ce qu'est Shadow, c'est pouvoir dire que on rend les objets idiots intelligents. Pour l'instant, juste les objets. C'est-à-dire qu'on va streamer de la puissance. Et ça permet de changer certains objets. Des montres connectées, par exemple, qui étaient assez bêtes, assez limitées au départ, deviennent incroyablement puissantes. Les frigos intelligents deviennent réellement intelligents. Et certains objets dont on a vu une hype incroyable il y a 2 ans, comme la réalité virtuelle, auxquels je ne croyais pas du tout. Parce que la réalité virtuelle, pour moi, c'était un peu ça. Voilà. Pour moi, c'était réellement ça. Quand on a dit que la réalité virtuelle sera le futur du genre humain, il y a 2 ans, ben, ça consistait à faire un casque extrêmement cher, à 900 euros. Encore une fois, c'est le paroxysme de ce monde, de cet ancien monde du jeu vidéo. Un casque à 900 euros avec un fil connecté à un ordinateur à 1500 euros. Et en plus, en général, il y avait des caméras affichées partout, etc. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont les moyens d'avoir ce genre de casque, qui l'ont acheté et qui l'ont mis quelque part parce que ça prend la poussière, parce qu'en termes d'usage, c'est complètement stupide. Ce casque est complètement limité. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec Shadow ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette technologie ? Imaginez que l'ordinateur, le câble, le casque, tout ça, lui-même, on le met là-dedans. On le met dans le casque mobile. Les casques mobiles, maintenant, il y en a plein. Les casques mobiles qui coûtent 400 euros, voire moins, qui sont normalement juste capables de faire tourner des jeux sous Android, parce qu'il y a juste un petit proc et un Android derrière. Et bien, tout d'un coup, on a la puissance phénoménale d'un ordinateur qui vaut 2000 euros. Et on a la puissance phénoménale de l'ordinateur qui vaut 2000 euros, mais du casque avec et du fil derrière. Tout d'un coup, ça permet une expérience en VR qui est complètement libérée.
Donc Octave a pu l'essayer ce matin, Cédric a pu l'essayer ce matin, vous pourrez tous l'essayer en haut, juste après la conférence de presse, vous attendez que j'ai fini de parler par contre, juste après la conférence de presse, vous allez tous pouvoir l'essayer, et honnêtement, ça m'a fait croire à la VR. Alors je ne dis pas que c'est un monde que je veux demain, ça permet justement de se poser les bonnes questions, de réfléchir quelles sont les valeurs qu'on veut donner, quels sont les usages qu'on veut créer, mais en tout cas, ça rend la VR libre. Rendre la VR libre, c'est un bon slogan. Voilà. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on a toujours voulu faire, et depuis 2 ans, effectivement, il y a la concurrence qui arrive, effectivement, on a une très bonne avance, effectivement, on peut être fier aujourd'hui d'être une petite société française qui concurrence les plus grands parce qu'on a une technologie meilleure, parce qu'on a une meilleure latence, parce qu'on a une meilleure, etc. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, et c'est ce que nous a dit notre communauté. Tout le début, tout ce qu'on a fait dès le départ, on l'a fait avec notre communauté. Et notre communauté nous l'a dit plusieurs fois, 30 euros pour un PC accessible à tous, c'est pas suffisant. Il faut savoir qu'une partie de nos utilisateurs sont des étudiants, sont des joueurs de jeux vidéo, effectivement, avec des moyens limités. 30 euros par mois, c'est cher. Alors, c'est moins cher qu'un PC à 1500 euros, mais c'est cher. Donc, ça ne rend pas l'ordinateur accessible à tous encore. Aujourd'hui, on est parmi les 10% des PC les plus puissants. Quand on regarde les charts Steam, quand on regarde les différents... 10% des PC, ce n'est pas suffisant non plus. Ce n'est pas suffisant. Il y a beaucoup de gens qui cherchent beaucoup plus de puissance. Beaucoup de nos utilisateurs, d'ailleurs, nous l'ont monté. Ils voudraient des meilleures cartes graphiques, des meilleurs processeurs, plus de mémoire, plus de... Les gens sont difficiles quand même. On dit qu'on est disponible partout, qu'on peut streamer sur tous les écrans. C'est vrai, mais ça n'a aucun intérêt si on ne crée pas les usages derrière. Ça n'a aucun intérêt parce qu'avoir Windows sur un smartphone, avoir Windows quand on ouvre sa télé, alors même si on aime beaucoup effectivement Windows, c'est quand même pas hyper hyper pratique. On ne parlera pas des expériences Windows 8, mais néanmoins... Il faut réussir à faire mieux. Comment on peut adapter l'expérience, comment on peut adapter les usages pour qu'effectivement on soit multiplateforme? Alors on va faire mieux. Et c'est ce qu'on va annoncer aujourd'hui. On va faire mieux. D'abord, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer la puissance du PC avec la simplicité de la console. L'ancien monde créait 2 mondes, justement. Le monde des joueurs PC, qui sont des joueurs hardcore, qui restent dans leur chambre avec un casque sur la tête, avec une souris, avec 3968 DPI, avec une carte graphique, etc. Et le joueur des consoles, qui sont des gens beaucoup plus sympas, qui sont habillés avec des vêtements plus colorés, d'ailleurs, qui sont sur un canapé, qui ont une manette et qui jouent avec des copains. Eux, ils sont cool. C'est fini, il n'y a aucune raison. On rend le jeu accessible. On est capable de jouer sur un PC ou sur sa console au même jeu. On est capable d'avoir la simplicité de la console avec la puissance du PC. Il faut savoir que 40% des joueurs consoles, malheureusement les pauvres, aimeraient jouer au PC et n'en ont pas les moyens. On lance dès aujourd'hui une nouvelle interface, disponible aujourd'hui pour tous ceux qui ont Shadow, une nouvelle interface qui est une interface pilotable à la télécommande, qui permet d'accéder à tous ces jeux directement sur une télévision. Donc si vous avez une Android TV, une Apple TV, si vous pouvez directement, ça va scanner tous vos jeux et ça va donner par vignette, en fait une interface très simple, hein, mais ergonomique, je tiens à féliciter d'ailleurs le produit et Julien qui nous écoute. Julien, je sais que tu as bossé à peu près 3 nuits ces derniers temps, mais ça vaut le coup. Voilà, c'est une interface, qui vous pouvez l'essayer aussi, vous avez une chambre juste à côté, dont on a recréé le salon du gamer, n'est-ce pas ? Vous allez pouvoir tester sur la télévision cette nouvelle interface. Elle est disponible aujourd'hui sur Android TV, elle est disponible aujourd'hui sur Apple TV, la semaine prochaine sur Apple TV, parce qu'ils n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout, on en parlera. Elle est disponible sur smartphone, également sur Android et iOS. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand vous lancez votre Shadow, soit vous le lancez sur un ordinateur et vous avez un Windows et un ordinateur complet, soit vous lancez sur une télévision et sur un smartphone, et dans ce cas-là, vous avez une interface qui vous permet d'accéder directement à tous vos jeux. En plus, ce n'est pas fini. Ces jeux-là, vous pouvez créer des contrôleurs virtuels, parce qu'autrement, jouer sur un smartphone à des jeux qui sont souvent faits sur PC ou sur console, si on doit se trimballer une manette dans la poche, c'est pas hyper ergonomique. Ça fait une très grosse poche. Donc l'idée, c'est de pouvoir créer des contrôleurs virtuels. On sait tous la difficulté pour un éditeur ou pour un développeur de créer un contrôleur virtuel. Le but, encore une fois, là, c'est que la communauté nous aide. On va en créer 2 ou 3, et ensuite, on va donner tous les moyens à la communauté de faire leur propre contrôleur pour chaque jeu. Première annonce. Disponible aujourd'hui. Deuxième annonce, on veut un PC plus puissant. On veut. C'était une des remarques faites à nos concurrents, pas à nous évidemment, c'était une des remarques faites sur le cloud gaming, que le cloud gaming, cette nouvelle technologie complètement incroyable, c'était la promesse du monde d'hier.
C'est-à-dire qu'on promettait aujourd'hui ou demain des choses qu'un ordinateur est déjà capable de faire. On promet du 4K à 60 fps en expliquant que c'est le truc le plus génial du monde. C'est pas vrai. Il y a plein d'ordinateurs qui font déjà du 4K à 60 fps. On promet une qualité d'image qui est moindre qu'un ordinateur. On promet une latence qui est supérieure à un ordinateur. Finalement, on promet quelque chose qui est moins bien que ce qu'on a déjà. Et on espère que les gens vont l'adopter. Le cloud gaming doit faire rêver. Le cloud computing doit faire rêver. Ça doit être une nouvelle technologie, ça doit porter les gens. Pour qu'il fasse rêver, il faut qu'il ait directement toutes les dernières technologies du marché. Les dernières technologies du marché, je suis très content que Serge soit là. Effectivement, je me souviens très bien de notre café, on va en reparler d'ailleurs. Plus de puissance avec des RTX dans nos data centers. Plus de puissance avec des RTX comme carte graphique, les dernières générations de cartes graphiques de Nvidia. Avec le ray tracing activé. Premier à faire du cloud gaming, du cloud computing avec du ray tracing. Si vous voulez savoir à quoi sert le ray tracing, n'hésitez pas à demander à Serge, hein, si vous voulez voir la différence entre les différentes images. Donc on va avoir du ray tracing, vous pourrez le voir aussi d'ailleurs sur nos différentes démonstrations dans la salle d'à côté. Plus de stockage, c'était une petite remarque de notre communauté. On avait 256 gigas de stockage, on passe jusqu'à 2 téra de stockage. Vous pouvez augmenter votre stockage jusqu'à 2 téra. On devient réellement un ordinateur complet. Et enfin, rendre le PC accessible à tous. Pour rendre le PC accessible à tous, on a décidé de lancer 3 offres. 3 offres très différentes et 3 offres qui vont permettre à chaque personne d'utiliser, de jouer, de travailler, de créer selon son usage. Petit temps de silence pour découvrir les 3 offres. Vous constaterez la recherche en naming, n'est-ce pas ? Donc la première offre, Boost, accessible à tout le monde. Si vous voulez jouer à tous les jeux, en Full HD. Légèrement moins cher que l'offre actuelle, évidemment. Et avec toutes les capacités pour faire tourner tous les logiciels et tous les jeux en Full HD. Au moins équivalent au Shadow actuel. L'offre Ultra, ça c'est une promesse de base. On a dit que le Shadow, ça allait s'updater au fur et à mesure du temps. Que la machine que vous achetez ne serait plus jamais obsolescente. C'est le cas. Pour le même prix que le Shadow actuel, on ne change pas juste la carte graphique. On change la carte graphique, le processeur, la mémoire et le stockage. Tout. C'est un tout nouvel ordinateur avec les dernières technologies du moment. Basé sur une RTX 2080. Avec 4 cœurs 8 threads et un processeur à 4 GHz. 16 Go de RAM, 512 de disque dur. Et évidemment, il y a toujours du stockage supplémentaire. Vous pouvez monter jusqu'à 2 Tera. Et enfin, le Shadow Infinite. C'est un Shadow que je voulais faire depuis longtemps. On veut démontrer, on veut faire un étalage de technologie. C'est pour les gens qui ont envie de la voiture qui va à 500 km/h pour les routes qui sont limitées à 120. Parce que ça n'a aucun intérêt. C'est justement se dire ça. C'est pour découvrir de nouveaux usages. On fait une démonstration technologique. On met dans nos data centers un équivalent de la Titan RTX. Un processeur avec 6 cœurs sous stress, 32 Go de RAM. 1 Tera de disque dur. Et tout ça, grâce à deux CRSI, grâce à Octave et à OVH, grâce à Intel, grâce à Nvidia, grâce à tous nos partenaires, on est capable de faire des prix extrêmement compétitifs. Notre première offre, Boost, à partir de 12,99€ par mois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir de 12,99€ par mois, vous avez un Shadow équivalent aujourd'hui à une des meilleures machines du monde, parmi les 10% des meilleurs PC dans le monde, qui fait tourner tous les jeux, qui fait tourner tous les logiciels, avec l'interface qui va bien sur la console, qui vous permet de plus choisir entre un ordinateur et une console, d'avoir les deux d'un coup, et avec tous les free-to-play directement intégrés, évidemment, et avec tous les jeux du moment. 12,90€ par mois. Le Shadow actuel, 24,90€ qu'on update, 24,99€ par mois, avec la 2080, avec de toutes nouvelles cartes graphiques. Et le Infinite, à partir de 39,99€ par mois. Ces prix-là sont valables juste pour les 50 000 premières personnes. Et on passe, comme à tous nos débuts, en mode précommande. C'est disponible aujourd'hui à partir de 11h, en précommande. Toutes les configurations seront livrées à partir de février. Je ne sais même pas ce que vous faites encore là. Vous êtes censé être devant votre site internet en train de précommander. Valable sur l'Europe, ouais, à partir de 11h, c'est vrai, j'ai encore un peu de temps pour parler.
valable sur l'Europe. Voilà, je vous rappelle toutes les annonces. On a réussi à faire une levée de fonds de 30 millions. On a un nouveau CEO, Jérôme Marneau. Merci infiniment de pouvoir me permettre de respirer un peu. On l'a pas dit, un nouveau board structuré à l'américaine avec plein de noms complètement incroyables. On permet à la VR de réalité virtuelle de marcher en vain avec Shadow. On fait une nouvelle interface télé et mobile. On met beaucoup plus de puissance dans nos Shadow avec des cartes RTX. On est les premiers à faire du ray tracing dans le cloud gaming. Et enfin, trois nouvelles offres à partir de 12,99€. Merci beaucoup. Vous avez ici toutes les démonstrations. Je vous invite à aller les voir. Et très bonne fin de journée. Merci. Thank you.